Good morning. Good morning. Yeah. All good things in life, they need hard work. All good things in life. Toutes les bonnes choses dans la vie. They need hard work. Demande un travail dur. We may take a seat, please. On peut s'asseoir maintenant. When you look in your life, quand vous regardez vos vies, wherever you have worked hard, à chaque fois que vous avez travaillé durement, you have succeeded. Vous avez réussi. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. Tell your neighbor. When you look in your life, wherever you've worked hard, you've succeeded. Again, please. When you look in your life, wherever you've worked hard, you've succeeded. Prayer is work. La prière, c'est le travail. That's why a lot of people, c'est pour ça they que are beaucoup not de gens, good at succeeding in prayer. C'est pour ça que beaucoup de gens ne réussissent pas dans la prière. Because prayer is work. Parce que la prière demande beaucoup d'efforts. You exercise your muscles for prayer. Vous exercez vos muscles pour la prière. The more you pray, plus vous priez, the better you become. Mieux vous devenez. The stronger you become. Et vous devenez plus fort. In prayer. Dans la prière. It's like doing physical exercise. C'est comme faire un exercice physique. Those who carry weights. Ceux qui portent le poids. The more they do the exercises. Plus ils s'exercent, ils font l'exercice. The better they become. Mais plus meilleurs ils deviennent. And their routine is their exercise. Et la routine devient leur exercice. They don't lift weight today. Ils ne lèvent pas le poids aujourd'hui. And lift again 2 weeks. Et puis ils attendent 2 semaines pour soulever encore le poids. There, you will not see much good results. Là, il n'y aura pas de résultats. Just little. Juste un peu de résultats. Same gift of giving. C'est la même chose avec le don de donner. Will not come to you automatically. Il ne viendra pas à vous automatiquement. Giving. Donner. It's like exercising muscles. C'est comme exercer les muscles. To start giving first time. Pour donner pour la première fois. It's difficult. C'est difficile. Because your muscles are not exercised. Parce que vous n'avez pas exercé vos muscles. But the more you give. Mais plus vous donnez. The more your muscles of giving. Plus vos muscles de donner. Grows. Grandissent. So you don't find difficult in giving. Et finalement, vous ne trouvez pas difficile de donner. So all these areas. Donc toutes ces choses. We think we can just wake up one day. Nous pensons que nous allons seulement nous réveiller un matin. And our giving is very good. Et on commence à donner facilement. No. Non. Or wake up one day. On se réveille un matin. Because here it's at a camp. Camp here. Ah, parce qu'il y a le camp ici. Then prayer is easy. Et la prière est facile. The only advantage now. Le seul avantage maintenant. In prayer. Dans la prière. Is because of the largeness of the group. C'est parce que le groupe est très grand. Prayer here is very easy now. Et la prière est facile ici maintenant. Communal. Parce qu'on est ensemble. Let's pray this. Let's pray this. Let's pray this. It's very easy. C'est facile. But to go home. Mais quand vous rentrez à la maison. And be in a habit. Et être dans l'habitude. Of prayer. De prier. It takes character. Ça prend du caractère. Amen. Even to read Holy Bible. Même pour lire la Bible. You got to develop a habit. Vous devez développer l'habitude. To continuously read Bible. Pour lire continuellement la Bible. For you to understand Bible. Pour que vous puissiez bien comprendre la Bible. You have to develop habit. Vous devez développer l'habitude. Of reading Bible. De lire la Bible.
Every day. Chaque jour. Same time. Au même moment. Every day. Chaque jour. Same time. Au même moment. Every day. Chaque jour. Same time. Au même moment. Every day. Chaque jour. Same time. Au même moment. It's work. Et c'est du travail. The first time you are going reading, you are just correcting your Bible to say, you body, this time I read Bible. This time telling the body, I read Bible. I read Bible. When the body has adjusted, quand le corps s'ajuste, to time, le temps, place, la place, it will not be a problem. Ça ne sera pas un problème. Then slowly understanding will start coming. Et tout doucement la compréhension va venir. Then also revelation will start coming. Et la révélation va arriver aussi. Because the whole body system of yours is ready. Parce que tout votre corps dans ce système est prêt. That's how we read Bible. C'est comme ça que nous lisons la Bible. Non? Est-ce que c'est comme ça que then nous lisons la Bible? Then how do we read Bible? Est-ce que c'est comme ça que nous lisons la Bible? Non. Then how do we read Bible? Mais comment lisons-nous la Bible alors? On dit? In disorder. Oh, in disorder. Then what do you want to get? Et qu'est-ce que vous voulez avoir alors? Eh? On s'attend à un résultat positif. We expect positive results. From what? De quoi exactement? De notre mauvaise manière de lire la Bible. From our wrong ways of reading the Bible. A wrong way of doing Bible and you want to write positive. Vous voulez des résultats positifs en lisant mal la Bible. Oh, very interesting. C'est intéressant. It can't. You'll be frustrated. Vous allez être frustré. You look at it as if God is not alive. Vous allez regarder et vous allez penser que Dieu n'est pas vivant. There's no sensitivity. Il n'y aura aucune sensibilité. And you are reading Bible to finish the page. Vous voulez lire la Bible pour terminer toutes les pages. Not to have understanding. Non pas pour avoir la compréhension. You read Bible to benefit from Bible. Vous lisez la Bible pour pouvoir bénéficier de la Bible. It transforms you. Ça vous transforme. And the more you do, et plus vous lisez, the more it becomes part of you. Plus ça devient, ça fait partie de vous-même. Thank you. Any merci. Question on reading Bible? Est-ce qu'il y a une autre question sur la lecture de la Bible? Dancing, you know. Danser, ça vous savez. Now, dancing very well, minus Bible. Dansez très bien where sans la Bible. How far will you go as a Christian? Où irez-vous en tant que chrétien? Ask your neighbor. Demandez à votre chrétien. Dancing very well, minus Bible. How far will you go as a Christian? Why are we lacking in prayer? Pourquoi est-ce que nous manquons dans la prière? We are lacking in God's word. Pourquoi est-ce que nous manquons dans la parole de prayer Dieu? Prayer comes out of God's word. La prière vient de la parole de Dieu. You speak his language. Vous parlez son langage. That's the language he understands. C'est le langage qu'il comprend. Divine language. C'est la langue divine. So the more you have of his word, donc plus vous avez de la parole de Dieu, the easier the prayer is, le plus facile ça sera de prier. The easier miracles are, et le plus facile ça sera d'avoir des miracles. The easier deliverance is, et le plus facile ça sera la délivrance. The easier miracle, et plus facile seront les miracles. Yes. All those toutes are a product from the word of God.
Toutes ces choses proviennent de la parole de so, Dieu. So you don't just force. Donc vous ne forcez pas. Miracle. Vous ne pouvez pas forcer les miracles. You don't just shout. Vous ne pouvez pas crier. Vous ne criez pas seulement. Miracle. Les miracles. You don't just shout. Vous ne criez pas simplement. Breakthrough. La percée. The word, the spirit, and you one. La parole, l'esprit et vous devriez être un. Then result will be there. Et là, les résultats vont venir. Thank you. Merci. I just wanted to let that one down. As you can see, we are dealing with a lot of preparation. Vous voyez que nous sommes en train de gérer beaucoup de préparation. Instead of just prayer, prayer. Au lieu d'aller directement dans la prière. Because if I want to go to Lubumbashi. Si je veux aller à Lubumbashi. But at the station there. Et à la station là-bas. I get bus going to Durban. Je prends plutôt un bus qui va à Durban. No matter how much I pray. Quelle que soit la manière dont je vais prier. I will not reach. Je n'arriverai pas à Lubumbashi. Lubumbashi, never. The best thing is to come out of the bus. La meilleure chose c'est de quitter d'abord ce bus là. Come back. Rentrer ici. Get the right bus. Prendre le bon bus. You arrive. Et là vous arrivez à Lubumbashi. Same prayer. Et puis c'est la prière. This prayer. Right prayer. C'est la bonne prière. Brings results. La bonne prière emmène des résultats. Thank you very much. Merci beaucoup. Why have you stopped dreaming? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté Ask de rêver? Why have you stopped dreaming? Why have you stopped dreaming? You should start dreaming again. I'm here this morning for those people who have stopped dreaming. Je suis là ce matin pour ces personnes qui ont arrêté de rêver. When you stop dreaming, what do you think you want to achieve? Quand vous arrêtez de rêver, que pensez-vous que vous allez accomplir? Some of us who are here now, it says my age. Certains ici disent mon âge. I can't dream to achieve. Je ne peux pas rêver pour accomplir. Some of us say, you know, prophet, my past failures have been too much. So on dreaming, I'm gone. D'autres disent, prophète, mes échecs du passé ont fait que j'arrête de rêver. Prophet, my circumstances. Prophète, mes circonstances. They've stopped me dreaming. Ils m'ont arrêté de. Je ne sais plus rêver à cause de ça. I got so many reasons why I used to dream before. J'ai tellement de raisons pour lesquelles je rêvais avant. No matter what reason you have. Quelles que soient les raisons que vous avez. Or reasons you have. Ou quelles que soient les raisons que vous aviez ou que vous avez. Those are not valid reasons for you to stop to dream. You brought the dream down. Ces raisons ne justifient pas pourquoi est-ce que vous ne rêvez pas. It is you who just put it down. C'est vous-même qui avez arrêté de rêver. You have abandoned hope. Vous avez abandonné l'espoir. You are hopeless now. Vous êtes sans espoir maintenant. You are saying it's not going to happen. Vous dites cela ne va pas arriver. I've been on it for long. Ça fait longtemps que ça dure. I wanted to make up my own company. Je veux créer ma propre compagnie. By now, I should have been there. Je devrais déjà être très loin maintenant. As a result, et comme résultat, right now, today, aujourd'hui, maintenant, you don't even think about it anymore. Vous n'y pensez même plus. You have stopped believing in it. Vous avez arrêté de croire en cela. You are just walking through it. Vous marchez simplement. When people are talking about believing and dreaming, quand les gens parlent de croire et de rêver, you look at them. Vous les regardez. And say, I don't know. They don't know what they're asking for. These ones. Et vous dites, je ne vois pas de quoi ils parlent ces gens-là. I could have been there before myself. Moi-même, j'ai été là avant. There's a possibility you try to dream again. C'est une possibilité de rêver encore. But you had a failure. Mais vous avez eu un échec.
And you developed an attitude because of that failure. Et à cause de cet échec, vous avez développé une attitude. In all your excuses, dans toutes vos excuses, I want to challenge you. Je veux vous lancer un défi. This morning, ce matin, that you are wrong. Que vous avez tort. That you are wrong. Vous avez tort. By stopping dreaming. En arrêtant de rêver. For your life, you are wrong. En arrêtant de rêver pour votre vie, vous avez tort. Some of you have even reduced the dream. Certains d'entre vous avaient même réduit le rêve. It's not even a dream. Ce n'est même plus un rêve. It's just for you. C'est juste pour vous. To be eating. C'est juste pour vous pour manger. That's all. C'est tout. Beyond that, no. Au-delà de ça, rien du tout. How many people are like that here? Combien de personnes sont comme ça ici? Because such a message cannot just come when people are right. You are all right. Vous tous, vous avez raison. Okay. Thank you. Merci. God gives everyone. Dieu donne à tout le monde. A dream. Un rêve. You have a dream. Vous avez un rêve. Don't just judge yourself because of the circumstances and situation you are in. Ne vous jugez pas à cause des circonstances ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. You have a dream from God. Vous avez un rêve que vous avez reçu de Dieu. A purpose. Vous avez un but. A mission. Vous avez une mission. A plan. Vous avez un plan. For your life. Pour votre vie. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. You have a dream from God. A purpose, a mission, a plan for your life. A dream is a projection of God-given destiny. Le rêve, c'est la projection de la destinée que Dieu vous donne. Again? A dream is a projection of God-given destiny. Yes. And don't think because it is God-given destiny, it will not be attacked. Et ne pensez pas que comme c'est une destinée que Dieu vous a donnée, qu'elle ne sera pas attaquée. This dream, this destiny, you see it out in your future. Ce rêve, cette destinée, vous projetez cela dans votre futur. It's who God sees you to be in the future. C'est ce que Dieu vous voit dans le futur. Yesterday, God is just bringing us back. Dieu nous fait revenir. To stop drifting. Pour qu'on ne puisse pas disparaître. To start having purpose. Qu'on ait finalement un but. To start having reason to live. Qu'on ait une raison pour vivre. To start winning again. Qu'on gagne encore. We have heard a lot of our friends. Nous avons entendu beaucoup de nos amis. How did they start achieving? Comment est-ce qu'ils ont réussi? Dream. Il y avait un rêve. Dream. Le rêve. You are sitting on something that you cannot benefit from. You. Vous êtes assis sur quelque chose dont vous ne pouvez pas bénéficier. God told Gideon, I'm with you. Dieu a dit à Gédéon, je suis avec toi. Almighty man of valor. Vaillant héros. The time God was talking to Gideon, quand Dieu parlait à Gédéon, he was not even a mighty man of valor. Il n'était pas encore un vaillant héros. He was hiding. Il se cachait. In the wine press. Il se cachait. Afraid of it should be Philistines. Il avait peur des Philistins. But when God found him in the wine press, mais quand Dieu l'a trouvé, he spoke to him concerning future. Il lui a parlé concernant le futur. Even today, now, as you are hearing this message, même aujourd'hui, maintenant, quand vous entendez ce message, telling you prepare future. Dieu vous dit préparez le futur. Because you have future, but prepare it. Parce que vous avez un futur, mais il faut le préparer. I want to give you strength. Je vais vous donner la force. That's God. I want to give you power.
Je vais vous donner le pouvoir. C'est Dieu. I want to give you courage. Je veux vous donner le courage. Determination. La détermination. I want to give you good health. Je veux vous donner une so bonne that santé you go through this. Pour que vous puissiez avoir tout but cela. But he might be talking to you now, you are sick. Mais Dieu peut être en train de vous parler maintenant you que vous êtes malade. You don't have any vision. Vous n'avez pas de vision. All he needs is a willing vessel who never stops dreaming. Il a simplement besoin d'un vase qui ne va jamais arrêter de rêver. God saw Gideon and talking to him, mighty man of valor, and he could have been in a mess. Dieu a vu Gédéon, il a dit que c'est un vaillant héros, mais pouvait être dans un problème très sérieux. Even you, as I'm speaking to you now. Même vous. You could be in a mess. Vous pouvez être dans une situation très difficile. Your arithmetic of money can't add up. Même si on additionne les chiffres avec vous, on ne pouvait pas trouver une réponse. Hello? Everything is minus, 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 minus. Tout est moins, 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 moins. Now God says, mighty financial, mighty man of money. Et mais Dieu dit, c'est un grand homme avec beaucoup d'argent. God is talking about where you are going. Dieu te parle de là où tu es en train d'aller. Where he wants to take you to. Là où il veut t'emmener. When we came here, you remember? When we came here before now. Vous vous rappelez quand on était venu ici avant? That's why God wanted to bring us here. Dieu voulait nous emmener ici. But did we know how it would look? Est-ce que nous savions comment ça allait paraître ici? No. Non. But God said, "Come, I'll find you a place." Mais Dieu a dit, venez, je vous ai trouvé un endroit. Some of you, when you look, certains regardaient et disaient. Let's stay. Qu'on reste en ville là-bas. Why are we leaving town? Pourquoi est-ce qu'on quitte la ville? It's far here. C'est trop loin ici. Whoa, 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 whoa. So vision, it is a vision of where you shall be in God's will. Donc la vision, c'est où vous devez être selon la volonté de Dieu. But with all of God's dreams. Avec le rêve de Dieu. Am I helping somebody? Est-ce que j'aide quelqu'un ici? Okay. Or university girls. When you have a dream. Quand vous avez un rêve. Divine dream. Un rêve divin. I want to challenge young ones who are going to university. Je vais lancer un défi aux jeunes qui vont à l'université. From childhood. Dès l'enfance. I want to go to university. Ils disent, je vais aller à l'université. I want to study medicine. Je vais étudier la médecine. I want to study this. Je vais étudier ceci. You write exam. Et vous faites les examens. Et puis soudainement. It's a dream. C'est un rêve. But it has gone into a nightmare. Mais qui tourne dans un tell cauchemar. Dites à vos voisins. It's a dream, but it has gone into a nightmare. It's still a dream. Mais cela demeure un rêve. You got money. Vous avez l'argent. 500 $1,000. Vous avez $1,000. You go to China. Vous allez en Chine. You give somebody bring me this. Vous donnez à quelqu'un qui vous emmène quelque chose. They come. Ils viennent. Custom. Ils arrivent à la douane. Collect. La douane confisque cela. Everything. Il confisque tout. Your dream has turned into. Le rêve s'est transformé en cauchemar. Don't concentrate on that. It's still God's dream. Malgré cela, c'est toujours le rêve qui est venu de Dieu. It is still God's dream. C'est toujours le rêve de Dieu. Now, a lot of us, that's where we drop the dream. Beaucoup d'entre nous, c'est là que nous abandonnons le rêve. Many people, they don't enjoy the fruit of their dreams because too many people give up and quit.
Beaucoup de gens ne prennent pas, n'arrivent pas à bénéficier du rêve parce qu'ils abandonnent trop facilement et trop rapidement. They quit. Ils abandonnent. They are businessmen. Il y a des hommes d'affaires. Businesswomen. Des femmes d'affaires. They quit. Ils abandonnent. Their own business. Ils abandonnent leurs propres affaires. Now they are employed. Maintenant, ils sont devenus des employés. And you are not happy. Et vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content. Listen. Est-ce que vous pouvez voir ceux qui sont Hello? Dans ce cas? You know you are in business, man. Vous savez que vous êtes un homme You know you are a business lady. Vous savez que Let's vous êtes une femme d'affaires. We came here. This is a hospital. Ça c'est un hôpital. Because spiritually you are not ready then. Parce que spirituellement. Hein? Listen. On peut voir qui est dans cette situation. There's nothing to feel bad about. Ne vous sentez pas This is your message. Mal à cause de ça, c'est le You message. Are going back to business. Vous allez rentrer dans les affaires. Yes. You are going back. Vous allez rentrer dans les affaires. And you are going to succeed now. Et vous allez réussir maintenant. So that dream, you could not start business if God did not plant the dream of business in you. Vous ne pouviez pas commencer les affaires si Dieu n'avait pas planté le rêve des affaires en vous. The nightmare has confused you. C'est le cauchemar qui a emmené la confusion. But here I am, I'm telling you, that's biblical pattern. Mais ce que je vais vous dire, c'est une tendance biblique. God gave you a dream. Dieu vous donne un rêve. You are jumping up and down. Et là, vous êtes très enthousiaste. After a time. Après un temps. Gone. C'est parti. Nightmare. Ça devient cauchemar. When your friend asks you. Et quand vos amis vous demandent. How is business? Comment sont les affaires? So. Vous dites bon, comme ci, comme ça. 2 weeks. How is business? Mm. 2 semaines plus tard. Let's pray. Oh. Prions. Oh. There don't go to careless people. They are going to bury your dream. N'allez pas chez les gens qui sont négligents, ils vont enterrer votre rêve. Good. This is a dream. C'est ça le rêve. It is impossible. C'est impossible. For God to give you a dream for your life. Que Dieu vous donne un rêve pour votre vie. Your marriage. Votre mariage. Your children. Vos enfants. Without the enemy coming in with nightmares. Sans que l'ennemi vienne avec les cauchemars. Tell the neighbor. Dites à votre voisin. It is impossible for God to give you a dream for your life, for your marriage, for your children, without the enemy coming in with nightmares. To destroy. Pour détruire. Destruction happens in the nightmare. La destruction arrive dans le cauchemar. When you cannot endure in the nightmare, quand vous ne pouvez pas endurer dans le cauchemar, you have lost it. Vous avez tout perdu. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Does it make sense? Est-ce que ça a un sens? Where do we lose it? Où est-ce qu'on se perd? The nightmare. Why, sir? We tend to quit when Why? The nightmare comes. Because of the nightmare? Yes. So when you started, you thought it was plain sailing. Yes, Papa. And you thought when you had a nightmare, it was only you. Yes. According to you. Yes, Papa. That all these people don't have nightmare about their marriage. They don't have nightmare about your son, nightmare about business, nightmare about what? We all have nightmare. Nous avons tous des cauchemars. I might be here right now standing. Je peux être I have ici. A nightmare maybe for my son. Je peux être ici, peut-être que j'ai It's un cauchemar just nightmare avec mon with fils. My son. Un cauchemar avec mon fils. It might be a nightmare on my health. Ça peut être un cauchemar sur ma santé. A nightmare on my future finances. Nothing. Ça peut être le cauchemar sur mes finances But futures. I believe God. Mais je crois en Dieu. I hold on to the dream. Je m'accroche au rêve. I hold on to the dream. Je m'accroche au rêve. You're starting business. Vous commencez les affaires. You're pumping money. Vous they say we need money more. Et puis on dit on a encore beaucoup. So you think of quitting, but I can't quit. Vous voulez abandonner, mais n'abandonnez pas. Endure.
Endurez simplement. Don't quit because of the nightmare. N'abandonnez pas à cause du cauchemar. You will wake up. Vous allez vous réveiller. You will pass through this nightmare. Vous allez surmonter ce cauchemar. Thank you. You are catching it up now. Merci. You never experience heaven's dream for your life without a nightmare. Vous n'allez jamais expérimenter le rêve venant des cieux sans les cauchemars. A student will be told, no, we can't even bring you back to school. Un étudiant, on peut lui dire, on ne peut même pas te ramener à l'école. This is what he has said. Ça, c'est ce que eux disent. But it's not what God has said. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. To you. Ce que Dieu vous a dit. So start the process. Alors commence le processus. Is it write again? Is it, I'm going to write. Repassez encore l'examen. I'm going to write. Repassez encore. Don't worry about friends going up. Ne vous en faites pas de vos amis qui passent à la classe supérieure. I'm telling you here. Je vous dis ici. Though you look very sad, même si vous avez l'air maybe triste, because it's first service in the morning like peut-être this. Peut-être parce que c'est le premier service du matin. The moment most people give up, le moment où beaucoup de gens abandonnent, is usually, c'est normalement, the moment of greatest opportunity. C'est le moment des grandes opportunités. Tell, no, it's true. Tell her never. Dites à votre voisin. The moment most people give up is usually the moment of greatest opportunity. The moment that you all this, that's when they quit. Why? Because they fail to see the other side. Les gens abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à voir de l'autre côté. Instead of knowing that it's not time to quit. Au lieu de comprendre que ce n'est pas le moment d'abandonner. It's a promise. You know, God is a God of promise. Vous savez que Dieu c'est un Dieu de promesses. Hello? Anyone here with God's dream? God has given you a dream. Toute personne I promise ici you, a un rêve de Dieu. A nightmare will come. Just be ready. Je vous promets que le cauchemar va. Just be ready. Soyez seulement prêt. Me, I'm making you strong so that when it comes, don't be shocked or surprised when the nightmare comes. Quand le cauchemar va arriver. Good little example. Un petit exemple. When I got calling of God, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, so I filled in forms. J'ai rempli les formulaires. South African College accepted me. Le collège de South Africa m'a accepté. Study, Bible study. Pour l'étude biblique. I had my older brother here. Et j'avais mon grand frère ici. He says, oh, I'll sign for you, surety. You come and stay with me. Il a dit, viens rester avec moi, je vais signer pour toi. Very good, I'm happy. Et là, j'étais content. I don't know South Africa. Je ne connais pas I'm leaving Lusaka. Je vais quitter Lusaka. I'll be comfortable. Je serai très confortable. Because I hear Johannesburg is rough. Parce que j'entends que Joburg, c'est très bien. I'll pay your fees. Je vais payer tes frais. I even came 3 days before opening school. Je suis arrivé d'ailleurs 3 jours avant l'ouverture de l'école. Because I know everything is in order. Parce que je pensais que tout était en ordre. When I come, quand j'arrive, he's drunk. Il est ivre. And he says, oh, you're here. I said, yes, I'm here. Tu es arrivé. You stay there. Mets-toi ici. Where he put me, there were his children. Vous allez traverser l'autoroute vers l'enfer. You pass through hell. Vous allez traverser l'enfer. And you know this should not be happening to me, but it's happening. Vous allez dire non, ça ne m'arrive pas, mais c'est en train de vous arriver. And this is not the time to compare yourself to anyone. Et ce n'est pas le moment de se comparer à quelqu'un d'autre. That process. Ce processus. It will purify you. Va vous purifier. It will purify your motives. Il va vous purifier votre motivation. It will align you. Ça va vous aligner. When you allow that process to finish. Quand vous permettez la fin de ce processus. Nothing can break you. Rien ne pourra vous briser. Nothing. Rien.
Because number one, you pass through all that for God to know that he can trust you when you're in trouble. Vous traversez tout ça pour que Dieu sache qu'il peut vous faire confiance. Can God trust you when you're in trouble? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance quand vous avez des problèmes? Discutez. Can God trust you when you're in trouble? Can you say? You break everything. Vous cassez tout. That's why it brings nightmares. C'est pour ça qu'il emmène les cauchemars. There's trouble. Il y a des problèmes. You got a dream. Vous avez un rêve. And the thief is there, that trouble, to steal, kill and destroy that dream. Et le voleur est là pour détruire, égorger et tuer. If God can trust you in trouble, si Dieu peut vous faire confiance dans les problèmes, that is a vote of confidence of God in you. C'est en fait vote of confidence. He says, I know this one. Dieu dira, je connais celui-ci. He will do it. Il va le faire. I know her. She will do it. Elle va le faire. These circumstances, these nightmares cannot affect what is in her heart. Ces circonstances, ces cauchemars ne vont jamais affecter ce qu'il y a dans son cœur. Trouble. Les problèmes. Is a vote of heaven's confidence on you. Les problèmes vous préparent en fait pour la confiance de Dieu en vous. Stamp. L'étiquette. Stamp of approval. Ah, c'est comme un cachet from God. D'approbation de la part de Dieu. Trouble. Les problèmes. Tell them. Dites à votre voisin. Stamp of approval from God. Trouble. Boom, God's seal. Le cachet de Dieu. Trouble. Les problèmes. Is a pathway to triumph. C'est un chemin vers le triomphe. You don't stay in trouble. Vous ne restez pas dans les problèmes. Vous traversez simplement les problèmes. You pass through. Vous les traversez simplement. The pain. La douleur. Is your pathway. C'est le chemin to higher gains. Vers un gain supérieur. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. The pain is your pathway to higher gains. La douleur, c'est le chemin vers le gain supérieur. The pain. La douleur. Is your pathway to higher praise. La douleur, c'est le chemin vers une praise, praise. Supérieure. Look, your doctor, this trouble, this nightmare, what and what. Finally, you are going to graduate. Votre now people say, they dance around you. Can you see the praise now? Voyez maintenant. But before this praise came, there was what? Mais avant pain and nightmare. Il y avait la douleur et les cauchemars. If you had said, this is not for me, you are not going to be praised here now. Si vous aviez dit ceci, cette douleur n'est pas pour moi, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Your mess, tell your neighbor, your mess is a pathway to the miraculous things of God. Is the pathway to the miraculous things of God. In your life. In your life. Again. Your mess is a pathway to the miraculous things of God in your life. Get that. Retenez cela. Oh, I've messed up. Oh, say, praise the Lord. You are now ready. Uh-huh. Hallelujah. You are now ready. Vous êtes maintenant prêt. Hello. All those that have messed up, you are now ready. Tous ceux qui ont abîmé leur situation sont maintenant prêts. It's not time to hide. Ce n'est pas le don't moment hide. De se cacher. Why should Satan enjoy you? Pourquoi est-ce que Satan devrait prendre avantage? Just know that mess. Sachez simplement it's a que pathway. Ce désordre est un chemin. Your father seen it. Dieu a vu ça. He did not do it deliberately. What and what? That somebody did something and all. You ce are in a mess. Don't worry. Qui vous ont plongé dans Rejoice. Le désordre, mais ne vous en faites pas. Réjouissez-vous seulement. Your dream tells you where you are going. Votre the nightmare is your pathway to it. Votre rêve vous montre où est-ce que vous allez et le cauchemar, c'est le chemin qui vous emmène vers ce rêve.
The dream tells you where you are going. Le rêve vous indique où est-ce que vous allez. The nightmare is your pathway to it. Et le cauchemar, c'est le chemin qui vous emmène vers cela. So if you got a dream, donc si vous avez un rêve, not yet nightmare, et qui n'est pas encore de cauchemar, wait. Où est-ce que vous allez? But continue dreaming. Et vous continuez but wait. De rêver. The nightmare will come. Attendez, le cauchemar va arriver. To align you. Pour vous aligner. Nightmare comes to speed up your dream. Les cauchemars arrivent pour activer le rêve. Nightmare when it comes. Quand le cauchemar arrive. You know you are ready for promotion. Vous savez que vous êtes prêt pour la promotion. Yes. Because it's where a lot of soft people just drown. Parce que c'est là que beaucoup de gens tombent en fait. Calvary was the pathway to Jesus' dream of the church. Le chemin du calvaire, c'était le passage de Jésus pour l'église. Calvary. Le chemin du you calvaire. Take away Calvary, vous enlevez ce chemin there's de calvaire, no purpose of Jesus. Il n'y a pas d'objectif ou de but pour Jésus. And Jesus, you remember, said, I will build my church. Et Jésus avait dit, je vais construire mon église. And even said, the gates of hell shall not prevail against it. Et il a même dit que les portes de l'enfer ne vont pas empêcher cela. There's a dream there. Voilà from Jesus. Rêve. And the devil said, I don't think so. Et le we will dit, nail you cross on the cross. Et le diable a dit, je ne pense pas, nous allons te clouer à la croix, Jésus. Christ wants to build the church. Jésus veut construire l'église. The devil said, come, we'll nail you. Viens, nous allons te clouer. So if you're afraid of nailing, donc si vous being avez nailed, peur d'être cloué, you will not have a church. Vous n'aurez pas d'église. If you're afraid of being nailed, si vous avez peur you will d'être not cloué, have your dream come true. Votre rêve ne va pas se réaliser. Don't fear the cross, whatever cross you're carrying. Peur de la croix, quelle que soit la croix que vous portez. Don't. N'ayez pas peur de la croix. When Jesus stepped out of the tomb, quand Jésus est sorti de la tombe, the nightmare, le cauchemar, what he passed through, Father, why have you forgotten me? Look what they're doing, blind all over, traversé, dead. He gave up his whole ghost. Il a donné sa vie. Buried him. On l'a enterré. When he arose, quand il a ressuscité, the nightmare, what he passed through, le cauchemar qu'il a traversé, became the highway to his dream. Est devenu le chemin vers son rêve. Highway to his dream. Le chemin vers son don't rêve. Don't concentrate on these nightmares. Ne vous concentrez pas sur le cauchemar. They are there to boost you up. Le cauchemar est là pour vous élever. The purpose of a dream is twofold. Le but du rêve a deux étapes. First, la première étape, to give you a sense of destiny. C'est vous donner un sens de destinée. To know that in the morning I'll wake up, I'm going somewhere. Savoir que le matin je me réveille, je sais où est-ce que je vais aller. Sense of purpose. Un sens, un but en fait. Something to pull you forward. Quelque chose qui vous motive. When everything else is falling apart. Quand toutes les autres choses sont en train de tomber. It will tell you, you yourself, il va vous dire à vous, no matter how many nightmares you are having, quels que soient les cauchemars que vous avez, you know deep down inside of you, vous saurez au-dedans de vous, I was born for this. Que j'étais né pour ceci. J'étais you know né it, I was born for this. J'étais né pour ceci. Others might say, what are you doing? But d'autres you know, diront, qu'est-ce que tu fais? I was made for this. J'ai été fait pour ceci. This fits me. Ça me convient. I know it's tough, but this fits je me. I can do nothing else. Mais ça me convient. This is what I was created for. C'est pour ça que j'ai été créé. You just know it is true. Vous savez que c'est vrai. You don't hate what God made you. Vous n'entendez pas ce que Dieu a fait pour vous. You agree. Vous vous mettez seulement d'accord.
The better you get at it, plus vous comprenez cela, the more you love it. Plus vous allez aimer cela. 2nd, the dream is to inspire you to reach it. Deuxième étape, le rêve vous inspire pour pouvoir l'achever. You can't just have a dream and not try to reach it. Vous ne pouvez pas juste avoir un rêve sans chercher à l'accomplir. Dream will stretch you. Le rêve va vous étendre. Dream will stretch you. Il va vous étendre. All this good sleep. Tous ces bons sommeils. With dream. Avec le rêve. It will not be there. Hein, ça, vous n'aurez pas sommeil. You look at sleep as if it's disturbing your dream. Vous aurez l'impression qu'en fait le sommeil est en train d'empêcher votre rêve. How many are there now? Combien yeah. se retrouvent? You are one person who say time is very short in a day. Vous allez you want 24 hours to be one day. Vous voulez que 24 Hello? Heures soient un jour. Yeah, it's dream. C'est ça, time is short. Le temps est trop court. When you are doing and you say, I'm through now. I want to submit to the office. They say, office, closed 20 hours. Dès que vous terminez, on vous dit le bureau est fermé, puis vous dites, You are not interested in time. Vous n'êtes pas intéressé You are interested in finishing vous your dream. Vous voulez simplement accomplir votre rêve. Dream will stretch you beyond your capacity. Le rêve va vous étendre au-delà de vos beyond. Capacités. There's no comfort, there's no what. That confort. Will come later. Ça va venir plus tard. You in a dream, you even have lunch at lunch time. Dream. You have lunch, you sit down. When you have lunch, it's client. You are still dreaming. Client here. Yeah. You are eating. Not just buffet alone. C'est pas juste manger vous-même. Quand vous avez un rêve, you have lost c'est it. En fait vous prenez le déjeuner avec des clients, pas vous-même. No. You are now drop your dream. Sinon, vous allez abandonner votre rêve. Dream will stretch you beyond your experience. Le rêve va vous étendre au-delà de votre expérience. You are in this business. Vous êtes dans cette affaire. But what you knew now seems to be less. Vous avez l'impression que ce que vous connaissez est beaucoup moins. This business now wants more. Ces affaires ont maintenant ont besoin d'innovation. Beyond your resources. Au-delà de vos ressources. Where will I get the money? Mais où est-ce que je vais trouver l'argent? It will stretch you. Ça va vous étendre. It will stretch you. Ça va and vous you étendre. Know I cannot fail. Et vous savez que vous ne pouvez but pas but your man échouer. Has been stretched. Mais tout a été étendu. Am I talking to someone here? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Thank you for becoming alive. Dream will take you out of your comfort zone. Le rêve va vous sortir de votre zone de confort. It will push you beyond what you think you are capable of doing. Ça va vous pousser au-delà de ce que vous sentez capable de faire. It will push you beyond what you think you are capable of doing. Ça va vous pousser au-delà de ce que vous sentez capable de faire. Dream will break all your fences that you had. I can't do. You wanna break all those down. Le rêve va casser toute votre façon de penser que vous ne savez pas faire telle chose ou telle autre chose. Why does God bring a dream? Pourquoi est-ce que Dieu emmène le rêve? In fact, a nightmare. En fait, un cauchemar. Because you got your dream already. Parce que vous avez déjà le rêve. You have planned it on paper. Vous avez planifié cela sur un papier. Everything seems to be going well. Ça a l'air d'aller très bien. Then boom. Et puis soudainement. Nightmare. Le cauchemar arrive. Why? Pourquoi? First, it's about self-discovery. Premièrement, c'est pour vous permettre de vous connaître vous-même. Hey, you people. Est-ce qu'on est là? Shake each other then. First, secouez-vous les uns les autres. First, it's about self-discovery. Uh-huh. With that nightmare. Avec ce cauchemar. With nightmare, you are going to discover or find out who you are really quick. Le cauchemar vous permettra de savoir qui vous êtes réellement et très rapidement. Anger, la colère, your temper, and anything, mention it, it's there. You discover. Toutes ces choses, ces mauvaises choses, vous allez les découvrir. Impatience, l'impatience. They say, no, your form is there, sir. The form is there là-bas. For approval.
But why? It has been there. We have been telling me it has been there. Up to now, you say it's there. What? Yeah. Mm-hmm. Whom can I see? Qui est-ce que je peux voir? Nightmare. Le cauchemar. They say, come at 10 o'clock, you go there. They say, no, this man has fallen ill. Ambulance took him. Arrivez à 10 heures et vous arrivez, la personne n'est pas venue parce qu'elle est malade. So you ask, how serious? This man, when he go to hospital, stays there 3 weeks. What? On dit non, ce monsieur, quand il est malade, il reste à l'hôpital pendant 3 semaines. You discover again, your security can't be about what other people think. Vous allez découvrir que votre sécurité ne dépendra pas de ce que les autres or what pensent. Other people say about you. Ce que les autres disent de vous. It got to be you and God. C'est seulement vous et Dieu. Not what people think. Pas ce que les gens pensent. Not what people say. Pas ce que les gens disent. A lot of us, we are gone down because we are hearing what people are saying. Beaucoup ici, nous sommes tombés parce que nous avons écouté ce que les autres disent. And what other people will say about you. Et ce que les autres diront de vous. Because you didn't hear anything. Parce que vous n'avez rien entendu. You gave up. Vous abandonnez. Secondly, number two. Deuxièmement. It's about God's discovery now. Deuxièmement, c'est la découverte de Dieu, découvrir Dieu. In that nightmare, dans ce cauchemar, you will find out more about God in your dark hour than in your sunshine days. Vous allez découvrir beaucoup plus de Dieu dans les moments de douleur que dans les moments de joie. Yes, please, read that. It's about God's discovery. In that nightmare, you will find out more about God in your dark hour than in your sunshine days. Hey, only one person, amen. Il n'y a qu'une personne qui dit amen. Others are sleeping. Les autres dorment. Without a pillow. Sans coussin. Already it's a nightmare. Déjà, c'est un cauchemar. You would discover that quickly. Vous allez découvrir ça très rapidement. Read again, reader. In that nightmare, you will find out more about God in your dark hour than in your sunshine days. And people pray more in dark days. Et les gens prient beaucoup plus dans les moments difficiles. Every way that come out, prayer. Il y a de la prière qui sortira de leur bouche. He knows I'm in the dark. Il sait que je suis en train de traverser des moments difficiles. Not that one. It's not that one. It's not that one. He is God. Ici, c'est Dieu. If God does not come through, I'm gone. Si Dieu ne vient pas, je suis fini. In 1 Kings chapter 8. Dans 1 Roi, le chapitre 8. Yes, please. If you can find it. Find the sentence that said, he dwells in the thick darkness. He dwells in the thick darkness. That's where God dwells. And you want to meet there with him. He dwells in the thick darkness. Dieu se trouve dans les moments difficiles et c'est là qu'on le trouve. If you want to find out more about God, si vous voulez découvrir plus à propos de Dieu, he will allow you to go through some darkness. Il va vous permettre de traverser des moments très difficiles. Some darkness. Des moments très difficiles. It's not the end. Mais ce n'est pas la fin. God wants you to find out more about him. Dieu veut juste que vous puissiez découvrir un peu plus de lui. Think. Pensez. Times of darkness. Pensez les moments difficiles. Think about it. Réfléchissez-y. If you are always on top. Si vous êtes toujours au-dessus. Always successful. Toujours en train de réussir. Sun always shining. Que le soleil est toujours en train de briller. Never a bad day. Qui a jamais un mauvais jour? I hate you. Je vous déteste. Me, I hate you. Moi, je vous déteste. No, I'm telling the truth. No darkness at all. Il y a aucun moment difficile. You are always on top when we come. Hello, prophet. Vous êtes toujours au-dessus.
Always successful. Toujours en train de réussir. Always sun shining. Toujours le soleil brille. Toujours. Never a bad day in you. Il n'y a jamais de mauvais jour. I hate you. Je vous déteste. I'm learning nothing from you. Je n'apprends rien de vous. Allô. On est là. If you want to be hated by me, that, go ahead. Si vous voulez que je vous déteste, c'est là qu'il faut être. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. If you want to be hated by a prophet, go ahead. You can't live there. Because some of you now, you are complaining, you are murmuring. You cannot live in always on top, always successful, always the sun shining, no bad day. No, you cannot live there. Vous ne pouvez pas vivre dans un environnement où vous êtes toujours au top, vous réussissez toujours, il n'y a jamais de mauvais jours. Non, vous ne pouvez pas vivre là-bas. Because you learn nothing. Parce que vous n'allez rien apprendre. But in darkness, mais dans les jours sombres, you learn quickly, vous apprenez rapidement more about God. Plus de Dieu. Quickly. Très rapidement. Even now here, if they just switch off light, mais maintenant, si on éteint les lumières, the first thing that you do, la Jesus, première des Jesus, choses que vous allez Jesus, dire, c'est Jesus, Jésus, Jésus. You won't say, where is my bank card? Vous n'allez pas dire où se trouve ma carte bancaire. In a dark place, in a lonely place, at times you feel forgotten. And you don't understand what's happening. Dans les moments difficiles, dans les jours sombres, on ne va pas comprendre ce qui se passe. It's prophecy. C'est une prophétie. Because that's what you have never heard me say so. Parce but que vous, hear it tonight, vous this morning. N'avez jamais entendu dire ça, mais vous allez l'entendre. Some of you, that says the Lord, some of you are walking through that kind of darkness right now. Certains d'entre vous, vous traversez actuellement des jours très sombres. God has nicely cornered you. Tell your neighbor. God has nicely cornered you. But I've got word for you. In that cornering, God is doing a mighty work in you. Dans ce moment sombre, Dieu est en train de louder, louder. Okay, if you mean it, just stand up and give me praise. Debout, si vous êtes d'accord. What is God doing in your life? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mighty work. Yeah, so thank him for doing mighty work. Yeah. Remercie thank Dieu you. Parce qu'il est en train d'opérer des grandes choses dans votre vie, dans les jours sombres que vous traversez. Continue, don't stop. Mighty work. Continuez, acclamez pour Jésus. Mighty work. Get ready, mighty work, mighty soyez man of valor. Dieu est en train de faire des grandes choses dans les jours sombres que vous traversez. Mighty woman of God. Thank you very much. Merci beaucoup. We may take our seats. On peut s'asseoir. Every human being, tout être humain, has got his own hour. À son heure. That hour is about to come to you. Cette heure va vous arriver maintenant. Every human being. Tout être humain. Because now, in that dark hour, you have discovered about yourself who you are. Parce que maintenant vous avez découvert qui vous êtes réellement. And you know also now who you are not. Et vous savez ce que vous n'êtes pas. And you know what God has done for you. Et vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Key things before he releases you. C'est ça l'essentiel avant qu'il vous relâche. Ce que vous êtes. And what you are not. Et ce que vous n'êtes pas. So there's separation now about you. Maintenant, il y a une séparation. So, why are you being prepared like that? Alors pourquoi est-ce qu'on nous prépare de cette façon? So that you get into the ring and fight. Pour que vous puissiez entrer dans le ring de you're boxe going to fight. Et vous battre, tell your neighbor, vous shake someone. Bougez quelqu'un et dites à votre voisin.
as I shake somebody. Bougez quelqu'un. You are going to fight. You're going to fight. God cannot just corner you like this. Dieu ne peut pas vous mettre dans un coin. And put you in darkness. Vous mettre dans les to know you, to know yourself. Pour que vous puissiez vous connaître and to vous-même. Know what you are capable of. Savoir ce que vous, ce dont vous êtes capable. Then leave you. Et puis vous abandonner. No, the ring is there. Le ring est là. To go and box. C'est tell your neighbor. Tell your neighbor. God cannot just corner you like this and put you in darkness to know yourself and to know what you're capable of, then leave you. No, the ring is there. You want to enter the ring? I'm telling you the truth. Vous allez finir dans le ring. 2024. Boom. Tell your neighbor. 2024. I can't hear you. 2024. Come, come, another one. Another one. Because it's a birth of destinies that have been locked for generations. C'est la naissance des destinées qui ont été bloquées pendant des générations. Them, they will think you are the same person that they have been dealing with. Eux vont penser que a vous êtes shock la même is waiting Satan. Ah, ont... We are in training now. Nous sommes en formation. We are almost there. On est presque là. We are almost there. On est presque là. I don't think. Je ne pense pas. Yeah, they are all valor people. Yeah. No one will be flawed here. Personne ne va tomber à terre ici. You won't fall down. Vous n'allez pas tomber. Whatever is standing before you, quel que soit ce qui est devant is vous, finished. C'est fini. Whatever, whatever. God has tested you. God vous a testé. He has tested you. Il vous a testé. All these months. Tous ces mois-ci. The whole year, some years. Toutes ces it années. It was all a test. C'était un test. Amen. So now, with God's test, He knows now, son, my daughter. Dieu vous connaît maintenant, mon the fils. The fight is ready with Satan. Dit, le and I've trained you, and I know et you are an overcomer. There are new tricks that you have learned. Vous avez appris beaucoup de choses. That the devil will be so surprised. Et le diable sera surpris. You won't fall for that again. Vous n'allez plus tomber. Don't run from trouble. Ne fuyez pas devant les troubles. Don't run from it. Ne fuyez pas devant it has come to promote you. C'est venu pour vous promouvoir. Thank you. Sit down, please. Vous pouvez s'asseoir maintenant. The third nightmare. Le troisième. It is to shut the devil's mouth. Le troisième cauchemar, c'est pour clouer la bouche au diable. When your nightmare is over. Quand votre cauchemar se termine. Like Job. Comme avec Job. You shut the devil's mouth. La bouche du diable sera finalement fermée. Hallelujah. Amen. You shut whose mouth? The devil's mouth. It talks too much. Il parle trop, lui, là. It talks too much. Now, don't be afraid. This is speech of confidence. N'ayez pas peur. I'm putting injection of courage, je suis en train de boldness, vous injecter le courage. Not to be shaken. Ce n'est pas pour avoir peur. The devil will be shut. La bouche du diable sera fermée. Job showed us. Job you are the next one now. Non, c'est fini. The devil cannot steal your children. Le diable ne the devil pas cannot enfants. Steal a husband. Il ne volera pas votre the mari. Devil cannot steal your business. Il ne volera pas vos affaires. Wherever the devil, even money. Même l'argent. Some of you are not happy because the devil has touched your body. Certains, vous n'êtes pas content parce qu'il a touché votre corps. Time has come.
Le temps est accusé. The devil, you are going to shut the devil. Vous allez fermer la bouche du diable. Everything, in all area. Dans tous les domaines. In all area. Dans tous les domaines. When those used to laugh at you, ceux qui se moquaient de vous, quand ils vont vous voir, they say, "Are you the young sister?" Ils vont dire, hey, you say, "No, it's me." C'est moi. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. Come on, come on. Let's stand up. Mettons they will confuse you. They say, ils vont dire, "Are you the young brother?" C'est toi le jeune. You look almost the same, but you are younger. Then you know God has done it. And God will do it. And he shall continue doing. Because he is, he was, and he is to come. Thank you very much. Before you sit down, know this. Everything that you have ever built and you want to build, it will be a direct result of a dream and persistence to that dream. Sachez que toute chose que vous avez toujours cherché à construire, c'est le résultat de votre rêve. Everything that you have right now in your house, tout ce que vous avez maintenant dans vos maisons, the business you are having now, les affaires que vous avez, the company you are having right now, la compagnie que vous avez, it has been built because of a dream. Ça a été construit parce qu'il y avait un rêve. And you were persistent to that dream. Et vous aviez persévéré avec ce rêve. Others told you it can't work. D'autres vous ont dit ça ne marche pas. Others pas. Said, I saw somebody try this. It failed. D'autres ont dit, j'ai vu quelqu'un essayer, you ça heard pas so many negative things vous avez entendu tellement de about your dream. Sur ce rêve. Don't pay attention. Ne faites pas attention à cela. You don't have to pay attention. Ne faites pas attention à cela. The way the dream came to you, la manière dont le rêve vous était arrivé, it's not how it came to them. Ce n'est pas comment leur rêve leur est arrivé. You have achieved. Vous avez accompli. You are persistent. Vous avez persévéré. The Bible is challenging every Christian. You have need of persistence. Vous avez des besoins de persévérance. That after you have done the will of God, you might obtain the promise. Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir. You les persist to obtain the promise. Vous persévérez pour obtenir. The promise does not just come. Les promesses n'arrivent pas simplement comme ça. It's through persistence. C'est à travers la persévérance. Thank you so much. Merci beaucoup. Metacassette. On peut s'asseoir maintenant. So, whatever dream you have, quel que soit le rêve que vous avez, see to it that you have persistence. Soyez persévérant. You want to do farming. It's wonderful. But you need what? Vous voulez faire la ferme. Soyez persévérant. I got a small field in Lusaka. Just home. You know, garden. Il y avait juste un petit jardin. The water is more than the crop. Un jardin marécageux, en fait. The water is higher, the crop is down. Il y avait plus d'eau que la culture. So I just said, Lord, rain is good, but this one is destroying. La pluie est bonne, mais cette pluie est en train de détruire. Is that the end? No. Est-ce que c'est la fin? Non. When they say now it's dry, we plant again. Quand ils disent ça arrive encore et moi je replante encore. Persistence. La persévérance. One time we plant, the chicken plante, come to pick. Les poules viennent manger ce qu'on a planté. So, just persistence. There's that. Me, I was planning to say, good garden, nothing. Moi, je me disais, c'est un bon the chicken was also ready. Mais good aussi, food. La poule se disait, j'ai la bonne nourriture ici.
Persistent is somebody who does not give up. Celui qui persévère, c'est celui qui n'abandonne pas. Okay, you people say, where will persistence come from? Vous vous dites, la persévérance vient d'où? Some of you, you are married to a man who was persistent. Certains, vous êtes mariés à des hommes wherever qui avaient persévéré, you go, en fait. Wherever you go, hey, leave me. Et qui vous suivez partout. He was persistent until now you are in his house. Il tell était tellement persévérant que maintenant vous êtes sa femme dans sa maison. Ah, you men, what's wrong? Come on, amen. Est-ce que c'est vrai? It's true. C'est vrai. So go beyond the nightmare to get to the dream. Allez au-delà du cauchemar pour arriver à votre rêve. You can be insulted. On peut vous insulter. Ah no, I'm already engaged. Dis non, the lady you want. No, I've got someone already. La femme que vous voulez dit non, j'ai déjà quelqu'un d'autre. Madame. Vous dites madame. Can we speak 1 minute, please? Est-ce qu'on peut parler même pour une minute? No, I'm busy. Oh non, je suis occupé. Why do you know where I should go, Kona? Comment where she goes and all. Cherchez à savoir là you are où coming elle behind va. Also with motor car. Vous êtes derrière elle. When she stops here, you stop. Quand elle s'arrête, vous vous arrêtez aussi. She's buying banana there, you're buying bread. Vous aussi, vous you meet at the till. Le pain, et vous vous rencontrez à la caisse. Persistence. Ça, c'est la persévérance. Now see how happy you are with your persistence. Et vous voyez maintenant comment vous êtes heureux aujourd'hui parce que vous étiez persévérant. Persistence has got results always. La persévérance produit des résultats. Job proved if you endure the nightmare, you experience the dream. Job a prouvé que si vous traversez, vous surmontez le cauchemar, vous allez arriver à votre rêve. And God blessed Job and gave him double everything he had lost. Et Dieu avait béni Job, lui avait donné le double de ce qu'il avait perdu. There's someone here, everything you lost. Il y a quelqu'un ici qui avait tout perdu. You never lost. En fait, vous n'aviez pas perdu. It's coming back. Ça revient, ça va revenir. But be more careful now. Mais maintenant, soyez très, faites très attention. It's divine. Parce que c'est divin. No one will hold it. Personne ne va vous retirer cela. When we look at Joseph at the age of 17 years. Quand vous regardez Joseph à l'âge de 17 ans. 17 years. 17 ans. Then came the nightmare. Et le cauchemar est arrivé. 17. 17 ans. How old are you? Yeah, you don't want to experience nightmare. Look at Job, 17 years. He was imprisoned. Regardez Joseph, 17 ans, il était en prison. Sold as a slave. Et il a été vendu comme un esclave. False accusation. Et on l'a accusé faussement. Put in prison. On l'a mis en prison. Put in the pit. On l'a mis dans le puits. All those. Toutes ces choses. Pathway. Toutes ces choses, c'est le to chemin. The palace. C'était le chemin vers le palais. Amen. If Joseph had avoided prison, si Joseph he wasn't going prison, to become prime minister. Il n'allait pas devenir premier ministre. Because the guys who had to help Joseph run the affairs of the nation. Parce que ceux qui devaient aider Joseph étaient en charge des affaires de la nation. He met them in prison. Il les a rencontrés en prison. The time of serving prison. Quand il était en he prison. He knew who was an accountant. Il était un comptable. We knew who was a mafia boss. In prison. Était un mafieux. So immediately he came prime minister. Il est devenu premier ministre. He says, look, you are in charge now, Joseph. On a dit, maintenant, Joseph, tu es en charge. Where did he know the people from? Où est-ce qu'il a connu ces gens-là? Tell me. Dites-moi. Look, I've just come out of prison. Je then they de give la me prison, clothes. You are now prime minister of South Africa. Et je deviens le premier ministre de l'Afrique du Sud. Who do I know to be what? Qui connais-je pour devenir who will be my driver? Qui sera mon chauffeur? I just came from prison. Je viens de la and prison. Pharaoh has promoted me. Et Pharaon m'a promu. And I'm going in a wagon, people to see me. Et je vais dans une grosse voiture. Work has started. Le travail que j'ai commencé. Where did he get the people? Ça a commencé où? The guys in prison. Où est-ce que j'ai rencontré ces gens? He says, prison guard, call all those 8 people in my wing in prison. Come. You are this, you are this. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. No. And you can see he had the best guys. Because those were the rough guys. Now they've been promoted. Who can say, hey?
Et vous voyez qu'il avait rencontré de très bonnes personnes. They are huge. C'était des grands. Tattoos everywhere. Ah, c'était des bandits en fait. And he says, I'm the boss here. Sir, sit down. Quand quelqu'un parlait, lui disait, assieds-toi. C'était Don't get scared. N'ayez pas peur. False accusation. Les fausses accusations. It's all right. C'est bon. It's cleaning you. Ça vous nettoie. It is cleaning you. Ça vous nettoie. Prison. La prison. They tell you time to stay there. On vous dit, vous allez rester autant de temps. Immediately you go in, start looking, going out. Dès que vous arrivez en prison, cherchez That's à your, sortir de là. You won't even feel it. But vous you are learning. Pete. Because what God has said about you, Parce que ce que Dieu a dit it vous, will come to ça pass. Va s'accomplir. But let me correct this. Mais laissez-moi corriger ceci. It will not come to pass in your bed, ça still dreaming the same dream. Ça ne viendra pas dans votre lit en train de rêver le même rêve. Circumstances will change. Les circonstances vont changer. When you dream, there's comfort. Quand vous rêvez, il y a le confort. After a dream, there's no comfort. Après le rêve, il y a pas de confort. To wake the dream to reality. Pour que le rêve devienne une réalité. And very few people come along with you. Et très peu de personnes arrivent à cela. Even Joseph didn't realize when it was happening. Même Joseph ne s'était pas rendu compte quand tout cela arrivait. Is this me? Il disait, est-ce que c'est moi ça? If you fail to endure the nightmare, il a préféré endurer le cauchemar. You never experience a dream. Si vous évitez les cauchemars, vous n'allez jamais expérimenter le rêve. The vehicle broken down. La voiture tombe en panne. The house they want to collect. La maison, on veut la récupérer. The child going to school. L'enfant va à l'école. And that's the time they pass very well. Et c'est le moment où les enfants réussissent très bien. He never failed in anything. He passed everything. Il réussit tout. No money. Il n'y a pas d'argent. Nightmare. Le cauchemar. You don't know what to do. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Car. La voiture. Oil is coming down. La voiture est un problème d'huile qui. You are not feeling all right last week. You go to the hospital. The doctor says, we can see something. Come back on Wednesday. Vous ne vous sentiez pas très bien la semaine passée. Vous êtes allé à l'hôpital. Le médecin a dit, revenez. Il y a quelque chose qui ne va pas. What is it, sir? We should put you off. What? Qu'est-ce qu'il dit? Me off again. Child school. Il dit, l'enfant va à l'école. Car, I came by friend. Now you say you want to put me off. Come on Wednesday to see. There are some things. What? There are some things. It's not clear, but Wednesday we use another machine. Utilisez une autre machine. Now you are going to a house they want to take. Et vous allez dans une maison qu'on veut reprendre. The boy wants money to go to school. Et l'enfant a besoin d'argent pour aller à l'école. The car, the bonnet is open. Et la voiture est là en panne. The wife says that there's only this last food. Et la femme dit, voici le peu de nourriture qui reste. And she comes to ask you, how did it go at the doctor? Il vient te demander comment ça s'est passé chez le médecin. Good. Vous dites non, ça s'est bien passé. She says, no, it's not good. I can Elle dit see. Non, c'est pas vrai. Now how she thinks is the children's school fees. Don't worry about school children fees. Elle dit, ne t'en fais pas à propos des frais scolaires. It's deeper than that now. C'est pire que ça. That's a nightmare I'm talking about. C'est le cauchemar dont je parle. But all this, Mais toutes ces choses, God is there. Dieu est là. And when this happen, Et quand ça arrive, just know, sachez simplement you are close. Que vous êtes proche. Very close. Vous êtes très proche. Because this is the last shot of Satan. Parce que c'est He has brought the nastiest, dirty, demonic spirits to get at you. Il a emmené tous les mauvais esprits Because this is not normal. Parce que ceci n'est pas normal. Hello. When you see it's not normal, know it's a great reward. Sachez qu'il y a des grands bénéfices qui arrivent.
He doesn't want you to experience what is about to happen. Satan ne veut pas que vous puissiez expérimenter ce qui va bientôt arriver. The purpose of a nightmare is to discourage you to give up on your dream. Le but du cauchemar c'est vous décourager pour que vous puissiez abandonner votre rêve. Just to discourage you. Juste pour vous décourager. He doesn't have to fight you, just to discourage you. Il n'a pas besoin de vous combattre, juste vous décourager. And if you don't think properly there, you are gone. Et si vous ne réfléchissez pas bien, c'est fini pour vous. That's why a lot of you. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous. Your dream could have succeeded. Vous aurez pu réussir vos rêves. But when the time was about. Mais quand c'était juste le moment. You started banking church. D'arriver, vous avez commencé à rater l'église. Vous absentiez de l'église. Tell your neighbor. Dites à votre voisin. Yeah. A lot of you, when your dream could have succeeded. But when the time was about, you started banking church. And you choose a church where they are not challenging you. Et vous choisissez une église. You go to a church where, hey, welcome. What are they doing to you? Seulement. They are not challenging you. They are not stretching you. They are not building you. What the hell are you doing here? Qu'est-ce que vous faites dans ces églises? And that's the end. Et c'est la fin. That's the end of your. C'est la fin. That's the end of your dream. C'est la fin de votre rêve. You had the light in a church. Vous aviez la lumière dans l'église. God gave you this. What I want to do. Dieu vous a donné ce que vous. From there, faire. You walk out. Et vous êtes parti de l'église. Because God has said. Parce que Dieu a I dit. I can go anywhere. Je peux aller où je veux. Place. S'il vous plaît. When did you get this? Where did you get this? Because there, that's where you are sharpened. Not where you are praised, but where you are sharpened and prepared for destiny. Amen. Don't go to just to show off and do. Come, not knowing what will happen in church. Venez sans savoir qu'est-ce qui va se passer à l'église. You are scared even to enter the tent. Vous avez même peur d'entrer dans la tente ici. Yes. When we lock our eyes, he says, "What has he seen?" Tell your neighbor. Quand on ferme les yeux, vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de dire? The enemy mustn't steal your dream, mustn't steal your family, mustn't steal your blessed life. You got a blessed life, a blessed career. Vous avez une vie bénie, so stop going this way, that way. Stay in Arrêtez one place in God's house. À droite, restez dans la maison de Dieu. Don't just be going everywhere. N'allez pas partout. Everyone here, the plans for your life from God are very good. Tout le monde ici, les plans de Dieu pour vous sont très bons. You are getting angry. The nightmare is a dream stealer. Le cauchemar vole le rêve, en fait. The nightmare will say, give up. This is difficult. Le cauchemar te dira, abandonne, c'est trop difficile. What is the use of what you are doing? Pourquoi tu fais ce que tu fais? It will never happen. Ça ne va jamais arriver. You are too old. Vous êtes trop vieux. You know the time before you came here, you failed you. Vous voyez, avant d'arriver ici, how can this thing work for you in old age? Comment ça va marcher maintenant? You don't even have the money. Vous n'avez même pas l'argent nécessaire. You don't even have the resources. Vous n'avez même pas les ressources nécessaires. It will take long, you. Ça va prendre beaucoup de temps. Arrête seulement. And I'm telling you, even if you can do everything, et je vous dis, si vous pouvez I tout know faire, God will not do anything for you. Je sais que Dieu. And you are sitting and agreeing with him. Et vous êtes là en train de vous mettre d'accord avec le cauchemar. Look, you can go through all those things. Vous pouvez traverser toutes ces choses. I'm here to tell you. Je suis là pour vous dire. You come out tops. Vous allez sortir de ces choses. You build many, many lives when they look at your life. Vous allez construire beaucoup de choses qui vous verront. Leur vie vont être construites. People have seen you. Parce que les gens auront vu. Your persistence in the Lord. Ils auront vu votre persévérance Your prayer. Le Seigneur. La prière. It's not wasted.
Do not be lied to. It's not wasted. Qu'on ne vous manque pas, la prière. Piling up. La prière, c'est une accumulation. Ça s'accumule. 2024. Because already, today is what, Saturday? Aujourd'hui, on est... Huh? Yeah. So when I start now writing names for deliverance. On va commencer à écrire les noms pour la délivrance. So that in the afternoon, I think we do that. Sunday, it's another thing, Sunday. Comme ça, dimanche, ça sera autre chose. We cannot be doing today's work Sunday. On ne peut pas faire le travail de dimanche. Sunday, it's on your marks. Le dimanche, soyez prêts. I'm rushing for my year 2024. My dreams have been on hold for too long. 2024, they are all going to open up. Yes. Dream, prayer you offered 2010 in excitement, you will have it in 2024. You have. Everything is coming. Les choses vont se remettre ensemble pour vous bénir. God is going to do it. Dieu va le faire. God has done it. Dieu l'a fait. You are only waiting for the manifestation of it. Vous attendez seulement la manifestation de cela. But it is done already. Mais c'est déjà fait. Tell your neighbor. Dites à votre voisin, c'est déjà fait. God has done it. We're only waiting for the manifestation. It's done already. C'est déjà fait. It's done already. There's nothing, no one can stand. Just get that word. Yes. Ah, there are contractors here. Contractor, you know contractor? Yes. They're here. Amen. Il y a des gens qui auront des contrats ici. Contractor. You are doing little now, but oh. Fait des petites choses maintenant. People think these are Chinese. Tell your neighbor. Les gens vont se dire ça appartient aux Chinois, mais c'est à vous. People will think these are Chinese. Uh-huh. We are all overcome by the blood of the Lamb. I don't know, I'm going through the way of prophecy, but I haven't finished, so I've got to listen. But continue maintenant. Thanking God. You. The more you thank God, the more free I will be. Yeah, continue. Genesis 28:18. Genèse 28, le verset 18. No, stand up. Feel the way Restons I'm feeling. Restons debout, s'il vous plaît. Yeah? You are so comfortable. Just stand up. You feel the way I'm feeling. Be a partaker of this. Yes. Genesis chapter 28, verse 18. Mm-hmm. Then Jacob rose early in the morning and took the stone that he had put at his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it. That's what is about to happen. C'est ça qui va se passer maintenant. Jacob had slept at God's place. Jacob avait dormi à l'endroit de Dieu. And God opened up the heaven. Et Dieu a ouvert les écluses des cieux. And gave him a dream for life. Et lui a donné le rêve pour sa gave vie. Gave him a dream for future. Il lui a donné le rêve pour le futur. That's the time now. C'est le moment maintenant. We have been in God's presence all along. Nous étions dans la présence de Dieu tout ce temps. Lift up your hands. Élevez vos mains, s'il vous plaît. Focus on him. Focalisez-vous sur lui. The dream giver. Celui qui donne les rêves. Destiny giver. Celui qui donne les destinées.
The one who was, who is who to come. Celui qui était, qui est, qui sera éternellement. The rose of Sharon. La rose de Sharon. The bright and morning star. L'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. King of kings. Le roi des rois. King of kings. Le roi des rois. Lord Jesus. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus. Seigneur Jésus-Christ. These are but your people. C'est ton peuple ici. They left everything. Ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé. They have come. Ils sont venus. To get a dream back. Pour récupérer leur rêve. To have a dream back. Pour récupérer leur rêve. To have their dreams back. Pour récupérer leur rêve. To build their lives. Pour construire leur vie. To build their lives. Pour construire leur vie. This house is called Bethel now. Cette maison est appelée It's a house of God. C'est la maison de Dieu. This is the house of God. C'est la maison de Dieu. God is here. Dieu est là. God is here. Dieu est là. He will show you where you dropped your vision. Il va vous emmener là où vous aviez abandonné votre vision. He will show you where you sidetracked yourself. Il va vous montrer là où vous étiez soustrait vous-même. He will show you where you miscalculated. Il va vous montrer où est-ce que vous avez mal calculé. He's here tonight, this morning. Il est là cette nuit. You are not, he's not yet done with you. Il n'a pas encore fini avec vous. He's not yet done with you. Il n'a pas encore fini avec he's vous. Not yet done with you. Il n'a pas encore fini avec vous. Open that heart. Ouvrez vos cœurs. Don't harden your heart. Ne te cache pas. It happened. Ça va arriver. But you are alive. Et tu es vivant. You are alive. Tu es vivant. You are alive. Tu es vivant. You will succeed. Tu vas réussir. You will succeed. Tu vas réussir. You will be better. Tu vas être meilleur. Open up your heart. Ouvre ton cœur. Yes. You have passed times where you could not sleep. Crying. Tu not knowing dormi. What to do. Tu as pleuré sans savoir que faire. You didn't even know where to turn. Tu ne savais même pas vers qui te tourner. Sometimes your room could just be dark. Des fois, ta chambre était dans le noir. Thinking death has come. En train de penser que la mort était arrivée. Sometimes your body could not take you. Des fois, même votre corps ne pouvait pas vous supporter. You felt sickness all over your body. Vous avez senti la maladie dans tout votre corps. It, but no one, you are not dead. Mais vous n'étiez pas mort. This has got no age limit, what I'm talking about. Ceci n'a pas d'âge, de limite d'âge. And it hasn't got time limit. Et n'a pas de limite sur le temps. It hasn't got any circumstances. Ça ne s'est pas limité aux circonstances. You are going to do it. Vous allez le faire. This what about to receive tonight. Ce que vous allez recevoir ce soir. This morning rather, it will extend your life. Ce matin va étendre votre vie. Your life will be extended. Votre vie sera étendue. Your life will be extended. Votre vie sera étendue. Don't worry when God chooses to be silent. Ne vous en faites pas quand Dieu choisit d'être silencieux. He wants to see. Il veut voir. To prove to you. Il veut vous prouver. He wants to see how much you love him. Il veut voir combien vous l'aimez. Don't quit. N'abandonnez pas. When God is quiet, don't quit. Quand Dieu est silencieux, n'abandonnez pas. And don't give God your answers. Et ne donnez pas à Dieu vos Let réponses. God give you answer. Laissez Dieu vous donner les réponses. Walk with the promise of God. Marche avec la promesse de Dieu. God does not contradict his word. Dieu ne contredit pas sa parole. You are not going to give up. Vous n'allez pas abandonner. No one here who is hearing this message, you are not going Personne to give up. De ceux qui écoutent ce message va It abandonner. Is too late now. C'est trop tard It maintenant. Is too late to give C'est up. Trop tard d'abandonner. It is too late now. C'est trop tard maintenant. There's no other opinion. Il n'y a pas d'autre opinion. It's reality coming to C'est you. La réalité qui arrive vers vous maintenant. The nightmare time is going out. Le cauchemar, le temps du cauchemar est arrivé à sa fin. No one will defeat you. Personne ne va faire de vous un échec. No one will defeat you. Personne ne va faire de vous un échec. Mm. There's a story in the Bible. Hagar was forced to leave. Home of Abraham with a child. Il y a une histoire, il y a l'histoire d'Agar dans la Bible qui était obligée de quitter la maison d'Abraham avec son enfant. And the Lord God heard the baby boy crying. Et Dieu avait entendu ce bébé pleurer. Then the angel of the Lord called to Hagar out of heaven and said to her. Et l'ange de Dieu lui a dit ceci. Why are you crying, Hagar? Pourquoi tu pleures, Agar?
Fear not. N'aie pas peur. For God has heard the voice of the child. Parce que Dieu a entendu la voix de ton fils. Where he is, arise, lift up, and take the child. Là où il est, prends-le, lève-toi et prends-le. For this child will make a great nation. Parce que cet enfant va constituer une grande nation. The mother was crying. La maman était en train de pleurer. There was no water. Il y avait pas d'eau. She was looking at death. Elle regardait, elle faisait face à la mort. But God was looking at a nation. Mais Dieu regardait la nation. You are looking at death right now. Toi, tu regardes la but mort God maintenant, is looking at you as a Dieu nation. Te regarde comme étant une grande nation. You are looking as if your business is dying down. Tu regardes but God comme si is tes said, affaires sont I'm en about train to multiply tomber. This thing. Et Dieu dit, il va multiplier I'm about tes to affaires. Multiply this thing. Il va multiplier tes affaires. It's not going to die, it will live. Tes affaires ne vont pas tomber, elles vont survivre. Hagar was rejected by Sarah. Hagar avait été rejetée par Sarah. To forced to leave the home by Abraham. Pour quitter la maison d'Abraham. And nearly dies in the wilderness. Et après presque décédé dans le désert. Hagar drops her dream. Hagar a laissé son rêve. Her baby. Le bébé. And she starts crying under a bush to die. Elle a commencé à pleurer et à souhaiter mourir. She had no resources. Elle n'avait aucune ressource. No food. Elle n'avait pas de nourriture. No water. Elle n'avait pas d'eau. In a hot desert. Dans un désert qui était she très chaud. Can't bear to see the child cry and die. Elle ne supportait pas de voir son bébé pleurer et mourir. She dropped the child there. Elle a laissé tomber l'enfant. And she goes far. Elle est allée un peu plus loin. Because she didn't want to see the child die in her hands. Parce qu'elle ne voulait pas voir l'enfant mourir dans ses mains. She heard him screaming. Elle a entendu crier. There are only two of them. Il n'y avait que eux deux. Hagar and her son. Hagar et son fils. When you got God-given dream. Quand vous avez le rêve que Dieu vous a donné. That dream. Ce rêve. It can pray prayer. Ça peut prier la prière. That dream. Ce rêve. Can cry to God. Peut crier, even peut crier vers if Dieu. You have given it up. Même si vous l'avez abandonné. Your dream, that's the one that cries to God. Va crier vers Dieu. Because it's God-given dream. Parce que c'est Dieu qui a donné ce rêve. Why have you gone soft on yourself? Pourquoi est-ce que vous vous êtes affaibli autant? Hagar saw the boy and she knew her dream is dying. Hagar avait vu son fils et elle s'est dit le rêve est en train de mourir. Her dream is dying. Le rêve est en train de mourir. But her dream is crying out. Mais le rêve est en train tell de crier. Tell her dream is dying. Dis à ton voisin le rêve est en train but de mourir. But her dream is crying out. Mais le rêve est en train de crier. Again. Her dream was dying. God didn't hear Hagar. Dieu n'avait pas entendu Hagar. God heard the dream. Dieu a entendu le rêve. God will hear your dream today. Dieu va entendre votre rêve aujourd'hui. God will hear your dream today. Dieu va entendre votre rêve. I say God will hear your dream today. Dieu va entendre votre prayer. Rêve priez, priez, God priez. Will hear your dream. Dieu va entendre votre rêve aujourd'hui. Oh, yeah, your dream. You have been crying for too long. Vous avez pleuré trop longtemps. So pick that dream up. It's no longer a nightmare. Ce n'est plus un cauchemar.
Hold that dream up. Tenez votre rêve. And watch over that dream. Et gardez ce rêve. Power will come into that dream. La puissance va venir dans ce rêve. Life will come into that dream. La vie va entrer dans ce rêve. Go, start, dream again. Rêve encore une fois. God showed Hagar where the water was. Dieu a montré à Hagar où se trouvait l'eau. Because they were dying of hunger, drink. Parce qu'ils avaient soif. God showed Hagar Dieu where montré, the water was. Dieu a montré à Hagar où se trouvait l'eau. In the wilderness. Dans le désert. I'm telling you. Je vous dis maintenant. He will show you. Il va vous montrer where to get your solution. Là où vous devez trouver la solution. He will show you. Il va vous montrer where to get your solution. Là où vous allez trouver la solution. For your dream. De votre rêve. For your dream. Pour votre rêve. And the promises of God. Et les promesses de Dieu. Are yes and amen. Yes. Sont oui et amen. Amen. Don't judge your life because of circumstances. Ne jugez pas vos vies à cause des circonstances. No. Circumstances change. Les circonstances changent. Is it a health issue? Est-ce que c'est un problème de santé? Is it a financial issue? Est-ce que c'est un problème financier? Is it a relationship issue? Est-ce que c'est un problème de relation ou relationnel? Yeah, there'll be a nightmare time. Il y aura certainement des cauchemars. But. Mais. It will lead you to a dream. Mais ça va vous emmener vers votre rêve. There's nothing to fear. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Yes, you understand. I don't know when. I don't know how. But God says, "I will do it." Faut pas dire je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Dieu dit il va le faire. Look in the Bible how God did it. Regardez comment dans la Bible Dieu a toujours fait cela. It may not be instant. Ça ne sera peut-être pas maintenant. It will not be maybe this second. Peut-être ça ne sera pas dans la prochaine seconde. But the promises of God are irrefutable. Mais les promesses de Dieu sont inévitables. Promises. Accrochez-vous à ces promesses. You have been out, you have been down, but you are not out. Vous étiez tombé, mais vous n'êtes pas fini. Maintenant, vous revenez. For real. Pour en réalité. For real. Réellement. Tell your neighbor, I'm coming back for real. Vous êtes de retour. So, repeat after me. Hell, you Satan. You can't have my children. Tu peux pas avoir mes enfants. You can't have my family. Tu peux pas avoir ma famille. You can't have my health. Tu peux pas avoir ma santé. You can't have my future. Tu peux pas avoir mon futur. Hell. You cannot stop my dream. Tu ne peux pas arrêter mon rêve. I'm shouting at you. Je crie à toi. You cannot stop my dream. Tu ne peux pas arrêter mon rêve. Yes, I may have an addiction. Oui, je peux avoir l'addiction. Yes, immorality might be a problem. Peut-être c'est l'immoralité qui est un problème. Rebellion could be a lot of it in my family. Peut-être qu'il y a beaucoup de rébellion dans notre famille. But one thing I know. Mais ce que je sais. Delay is not denial. Le retard n'est pas un déni. Again and again. Le retard n'est pas un refus. Le retard n'est pas un refus. Delay is not denial. Delay is not denial. Yes. Delay is not denial. Delay is not denial. Hallelujah. Delay is not denial. Delay is not denial. It is time. C'est le temps. It is time. C'est le moment. And tell God, et dites you à say, Dieu, God, now, dites Dieu I'm going je vais, to trust you je vais te faire confiance, Seigneur, with this dream like never avec before. Ce rêve comme je n'ai jamais prayer fait confiance now. Priez maintenant. Lord God Almighty, I'm going to trust you Dieu, maintenant, je vais vous faire with this dream avec ce rêve like never before. Comme je ne vous ai jamais fait confiance prayer. Avant. Priez, priez, priez.
Say with me aloud as we are going now this morning. Répétez après moi comme on est en train de partir ce matin. Jesus, I trust you. Jésus, je te fais confiance. From this morning forward. À partir de ce moment jusqu'au bout. I believe my dream. I believe my dream. Will live. Will live. I'm picking up my dream. Je récupère mon rêve. I choose to dream again. Je choisis de rêver encore. In your name, Jesus. En ton nom, Jésus. Lord Jesus, Seigneur Jésus Christ, let your favor fall upon me. Que ta faveur descende sur moi. Help me have courage. Aide-moi avoir le courage. To endure my nightmare. D'endurer mes cauchemars. Help me see my dream come true. Aide-moi voir mon rêve se réaliser. I thank you for your grace. Je te remercie pour ta grâce. And mercy. Et ta miséricorde. Thank you for your forgiveness. Merci pour ton pardon. Thank you, Lord, that I have a destiny. Merci, Seigneur, que j'ai maintenant une destinée. My age is not a factor. Mon âge n'est pas un facteur. My age, mon âge is not a factor. N'est pas un facteur. My past, mon passé is not a factor. I'll press into my future with confidence. That what you have begun in me, you will perform it. Thank you, Jesus. I give you praise. I give you honor. Amen and amen and amen. Raise your hand as I leave. Soulevez vos mains, s'il vous plaît. To receive a blessing. Pour recevoir so la bénédiction. So that this prayer, this meeting, should be a blessing to you. Prière et we cette shall réunion, see fruit just now. Qu'on puisse voir les fruits. May the Lord of heaven bless you. Amen. May the Lord keep Dieu you. Vous bénisse. Amen. May the Lord make his face shine upon you. Amen. And be gracious to you. Amen. And may the Lord grant you divine favor. May you prosper this week, this year. May you prosper this year. May you prosper in 2024. May you be in health, good health, even as your soul prospers. In Jesus' name, I decree it. It is finished. It is so. It shall be so. Amen.